Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. On va faire pas mal de petites choses ici. On va ouvrir bien entendu celui-ci. Celui-ci doit rester fermé, mais en étant la porte ouverte. Et celui-ci, on aura besoin de fermer la porte aussi. Bon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai demandé de transporter celui-ci. Et on va faire un deuxième lit. Une peau ici. On va faire un deuxième lit pour animaux. En cuir d'oiseau, ça sera très bien. On va le faire ici. Voilà. On va demander à Libellule. Donc on va plutôt faire comme ceci. Je voudrais que tu m'enfiles le chef-d'œuvre et que tu me fasses ça. Ensuite, tu feras ce que tu veux. Qu'est-ce que j'ai proposé? J'ai proposé. On va mettre tout en loisir. Tout le monde en loisir partout. Comme ça, on n'aura pas de problème de. Comment vais-je dire? Dès qu'ils auront l'occasion, ils se baladeront, ils feront quelque chose. Voilà. Ensuite, je leur ai tous demandé d'aller s'habiller, bien entendu. Il n'y a que le chauve que je dois un petit peu travailler. Le chauve, tu vas porter le lit. Tu viens apporter le lit. Ensuite, tu secours le bébé. Voilà, on va déjà faire ça et on va voir ce que nous récupérons comme copains ici. Alors, le petit gars. Oh là là, le petit gars, là on est. C'est quoi ça, la vue? 3 centipèdes, 4 faucheurs, un lancier, 2 piquiers. Ah, les enfoirés. Vache, ça fait 10 ennemis. On n'a pas passé de. On n'a pas passé le troisième cap pourtant. En plaisir, on est toujours à 12. Hein. Quatre types de loisirs et on a toujours attente modérée à 12. Pourquoi est-ce que ça a augmenté de force? Comme ça, à ce point-là, quoi. Waouh! C'est plus fort que ce que cela a reçu. Cela a reçu 5 centipèdes. Mais autrement, juste avant, il avait reçu 8. 8 trucs comme ça. Bon, faucheur et ça. Voilà. Et là, on en a. Oh là là, le petit gars. C'est dur, ce truc-là. Bon, allez. C'est pas tout ça. Maker, tu vas faire ce que tu veux. Pour le moment, je te laisse faire ce que tu veux. Grizzly, libellule, tu me fais quoi, libellule? Tu enfiles un casque simple en métal, oui. Et puis tu vas transporter le cuir d'oiseau. Ok. Vache, t'es parti manger. Grizzly, tout ça, tous les autres. Alors, anarchiste, tu enfiles un casque de cataphracte, ok. Là, Dan, tu me fais quoi, toi, mon petit? Oh, fais ce que tu veux plutôt. Va à ton aise. Tiens, va plutôt me faire ça, tiens, regarde. Donc, ça, je vais mobiliser Jean et je vais lui demander de venir ici. Et de revenir en bas. La porte doit rester ouverte. Absolument, ok. La porte doit rester fermée et la porte doit rester ouverte. Ok, puisque c'est comme ça, Dan, mon petit, tu vas d'abord secourir le truc ici. Voilà. Ensuite, je reviens voir. Le lit est fait. Réinstaller ici.
Voilà. Et on demande à Becker. Non, t'es pas prêt, toi. Tu vas aller manger, toi. Voilà. Le marchiste. Tu vas venir ici. Et tu vas me mettre ça. Réservé par Dan, ok. Ah ben, Dan, tu réserves déjà ça, toi. Ok. Donc on voit bien ici, on va essayer de travailler sur la différence de vitesse. Donc les plus rapides, c'est ceux-là. 4 cases 70, 2 cases 50 ici, je crois, et une case et quelques... Voilà, une case 90, 4 cases 70, 2 cases 50. Hein. Donc on va essayer de travailler sur leur avancée. Pour moi, l'idéal, c'était de buter les trois faucheurs là-dedans. Et puis de buter tout le reste, les trois autres, enfin les trois ou quatre, cinq, je sais pas, tous ceux avec une arme. Tous ceux avec une arme, donc ces deux-là, venir les péter ici. Ce serait tout à fait sympathique. Ok. Est-ce que ça se ferme? Oui, ça se ferme. Et donc on va essayer de faire courir un petit peu entre les deux. L'avantage d'avoir les pièges à côté de ceci, c'est qu'on va essayer de les faire tourner tous les deux en bourrique un petit peu. On va laisser revenir ici, puis on va leur dire, tiens, non, on va fermer là, revenez là. On va regarder ça. Dan, je peux savoir où tu es, mon ami, avec le piège. Bon. On va plutôt demander à Libellule de venir ici. Non, c'est la même chose. Decker, tu peux retourner chez toi. Montre-moi un petit peu comment t'es, Decker. Un œil, une épaule. Ouais, va faire ce que tu veux. Voilà, j'ai pas besoin de toi pour l'instant. Le chauve, t'irais pas manger un petit coup? Non, t'es parfait. Ah. Donc, logiquement, ils vont venir ici. Ok, le chauve, tu vas réparer. Bon, là, tu as un mort. Hein. Ok, il se tire. Voilà les deux autres qui sont ici. Ceux-là, je voudrais les faire passer ici dedans. Donc, on va commencer à appeler tout le monde. Monsieur Decker. Monsieur Decker, est-ce que on pourrait avoir mon pieu, s'il vous plaît? Enfin, le lit pour animaux. Donc, Decker. 1-1. On va te mettre ici. J'aurais bien voulu mettre une porte en fer ici. On va peut-être essayer de le faire. On verra bien. Donc, Decker s'est lancé. Libellule. Viens plutôt te battre avec tout le monde, ma belle. Libellule, tu vas te mettre ici. Grizzly, mon ami. Tu sèmes. Tu sèmes où? D'accord. Par où tu vas aller semer, toi? Pepia, on a de la smoke. Viens ici. Mon ami Dan, tu te balades, mon petit. Viens te balader par ici. Anarchiste, toi, c'est toi qui te met ici. Sauf que Dan, il devait me porter le pieu. Eh bien, ça va être Decker qui va faire ça. Réservé par mémé, non, ma mère. Mais t'es vraiment un petit enfoiré, toi, petit enfoiré. Abattoir. Ah,
tire-toi de là. Je t'ai dit de te tirer de là. Ah, je fais quoi? on va te mettre dans... Dans quoi? Que je t'y fais un pieu. Il n'y a plus de place. Mais si, il y a de la place autre part, pourtant. D'accord. Ok. Construire une copie, on va la mettre ici. Les bellules là, ma belle. Ok. On va. Allô. Bon, on est reparti. Allez-y. Dan. Là, anarchiste au centre. Allô, pour le moment, tu joues aux échecs. J'ai besoin de toi. Ici, ouais. Maker, tu fabriques un composant, t'as 99 de plaisir. Tu viens ici. Vache, ma belle. Tu polis un mur, bah, tu viens ici, voilà, parfait. Et enfin, nous avons Madame Bud. Madame Bud qui a quoi? Un pistolet mitrailleur lourd. Elle veut aller prier. Elle ne va pas aller prier, elle va venir ici, voilà. Je pense que c'est pas mal. Chauve. Viens ici. Ok, tu viens me fermer la porte. Et nous avons donc maintenant Grizzly. Viens ici. Et on descend. Et on garde la porte ouverte. Parfait. Ici, la porte est bien fermée. La porte est bien fermée. Ok. Merci, Monsieur Grizzly. Vous vous positionnez correctement. Est-ce que mon lit est fait, Mademoiselle Libellule? Vous êtes en train. Merci, Mademoiselle Libellule. Veuillez aller porter cette petite pièce ici. On devrait... ça va être un petit peu... On va devoir jouer, là, hein, entre les trucs et les autres trucs. Chauve, viens ici. Est-ce qu'ils vont aller se péter là-bas ou pas? Oh, ils remontent. Voilà. Alors, il faut que les autres arrivent en premier lieu. Bon, le problème, c'est qu'ils vont pas pouvoir... Si, ils peuvent passer ou pas. Vous voyez, ils se bloquent un petit peu tous. Voilà, on va demander à Chauve d'ouvrir la porte ici, et on va demander à toi de venir fermer la porte ici, en disant ici ma petite porte, et tu
te reviendras ici. On va essayer d'en avoir que les petits quêtes qui viennent par ici. Voilà, il y a un gros. Enfin, ils sont coupés en petits morceaux. Madame Libellule, vous êtes censée m'apporter ce petit truc-ci. Voilà, je vous remercie. Ok. Grizzly. Répare la porte. Voilà, il y en a deux qui se tirent. Ouais, c'est bien. Jean. Dame, tu vas venir ici sur le côté. Voilà. Decker. Tu fais quoi, Decker? Libellule. Ok, Libellule, elle arrive. Ok. Bon, l'avantage d'être contre lui, de l'attaquer tout de suite en mêlée, on n'a pas exactement comme on voulait, mais l'avantage de l'attaquer en mêlée, c'est que il peut pas tirer. Il peut pas tirer. Et ça, c'est extrêmement important. Donc on peut lui faire quand même assez mal. Voilà, on lui a fait très mal. Ok, Dan, tu vas venir là et tu vas transporter le centipède. Parfait. On va fermer la porte. Anarchiste. La porte en dessous de toi est ouverte. Donc anarchiste, tu viens ici. Bien. Dame, tu peux lâcher la bébête. Ensuite, on reprend notre ami Bud. On va le ramener ici. Et Dame, tu viens ici, mon petit. Libellule. Tu transportes le lit, c'est parfait. Voilà, on a perdu notre pierre. Donc, on va demander à Anarchiste de récupérer notre pierre. Mais je suis pas sûr que la pierre, elle doit. Il y a une pierre qui va venir ici ou pas. Est-ce qu'il y a plafond, morceau de machine, décombre, lit, ardoise et son. Non, on peut pas. On peut pas la récupérer pour le moment. Donc je fais ceci. Et Dan, donc tu repars où tu devais aller. Anarchiste, tu vas revenir ici, mon petit. Voilà.
Donc, si le premier la passe, bah, il va se faire dézinguer, bien entendu. Becker, où es-tu? Becker, c'est pas trop ça qui me plaît avec toi. Ensuite, libellule, tu me transportes enfin ce lit. Est-ce que j'ai mis les animaux dans Inde? J'ai bien mis les animaux dans Inde, sauf celui-là, qui doit revenir dans base. Et ils ont tous eu à bouffer, donc c'est parfait. Allez. Donc, on a le premier petit quête qui va venir là-bas. On le laisse arriver. Et on rouvre la porte ici. Parfait. Et on va fermer la porte. Bien. Bon, voilà, on voit qu'on a un pépin. On a un pépin. Tiens, ta vache. On a un gros pépin. Vache, tu te tires. Toi, tu viens attaquer. Toi, tu viens ici. Ça ne marche pas, mon truc. Tu attaques. Vache. Vache, tu bouges. Ok. On va fermer la porte, on va essayer de changer notre technique. Donc on va garder. On va les déplacer tous. On va les mettre ici. Parce que jusque-là, ils ont plus l'air de venir. J'ai un pépin, en tout cas, ça c'est sûr. Fermer les portes. Dan, tu viens ici. La porte, on la ferme. Anarchiste, tu viens ici. La porte, on la ferme. Et on va regarder ce que ça va nous donner. La porte, ici, par contre, voilà, elle est ouverte alors. Bam, tu me fais quoi? Tu te déplaces. Toi, tu attaques. Anarchiste. Anarchiste, tu te déplaces. Voilà. Bam. Ok. Attaque anarchiste. Anarchiste, tu viens ici. Allez, porte, fermez-vous. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez attaquer? Attaque chaise en bois, ok. Au corps à corps, hein? D'accord. Toi, tu attaques anarchiste, mais tu ne devrais pas pouvoir le toucher. Ok, tu peux pas le toucher. Les portes se ferment, ça y est, ouf, la vache, il y a un problème là, il y a un problème dans notre système, ça n'a pas marché comme je voulais, les petits piquets, ils veulent pas aller dans la porte. On va un peu regarder ce qui se passe. Grizzly, tu vas te revenir comme ceci et tu vas me... répare la porte. Où est-ce qu'elle se trouve, notre chère libellule? Elle est encore occupée de se promener. Viens ici, ma chérie. Anarchiste, tu viens ici.
là, vache, toi, ma belle, tu vas venir là-bas. Je crois que Dan, il va venir ici. Toi, tu fais quoi? Toi, tu attaques le lit pour animaux pour l'instant. Eh ben, attaque-le, ça ne m'importe guère. Nous avons Dan. Donc, on voit qu'ici, il est dans la porte, normalement. Donc, allô, là. Bien, Bud, ici. Non, ici. Maker. Becker. Zut, il s'en va. Ouais, ben on va. Toi, tu fais quoi? Toi, tu voudrais bien attaquer le bassin, mais t'es coincé. Oh, ils vont se tirer, hein. Ils sont censés se tirer. Non, 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 ça c'est cuir d'oiseau et une porte, mais... Ah oui, ça a sauté sur la porte, d'accord. Tu m'as pété mon cuir d'oiseau, quoi. C'est pas très grave, mais tu te tires maintenant, ok. Voilà. Il n'y en a plus qu'un. Donc, Jean, tu me fais quoi? Ok. Libellule, je voudrais que tu... Vas-y, répare. Anarchiste. Je veux que tu me... Anarchiste. Oui, c'est pour ça que ça n'a pas marché. C'est parce que tu avais ce truc ici. Tu transportes. Jean, tu vas te tirer de là. Dame. Tu m'enlèves ce truc. Ok. Anarchiste, tu peux lâcher. Et je te remballe ici, s'il te plaît. Viens ici. Regardez cette porte-ci ouverte. Et on va remballer le caillou qui est là-bas, qui a sauté. Voilà, anarchiste. Viens me transporter le gravat ici. Il n'y a plus de... Voilà. Donc mon histoire de pieux, ça marche pas génial. Hein. On n'a pas encore trouvé le truc.
Là, il y a un pépin parce que toi, tu n'as pas à aller porter ça ailleurs. Ça, c'est du normal, non du bas. Et ici, c'est du critique. Morceaux. Tout, des morceaux de roche. Donc, mon cher ami, explique-moi un petit peu. Pourquoi tu ne veux pas me transporter ça au bon endroit? Ah, beaucoup mieux. Bien. Trouve-toi un autre plaisir. T'as pas une petite balade? Non, t'as pas une petite balade. On va attendre que l'ambulance soit passée. Ok. Ah, il y a le petit qui arrive à une vitesse, ça va. Ok, on va rouvrir ici. Essayez de ramener. Essayez d'en avoir qu'un à la fois, tu vois. Voilà. Donc dans le genre ici. Chauve. Reviens ici. J'en ai encore un trop, hein, ça m'embête un petit peu. Donc on va demander à Narcisse de revenir ici et de redescendre. Ça devrait de nouveau un petit peu les séparer. Chauve, tu reviens là et tu redescends. Bon, lui, il se prend quelques coups, mais c'est vraiment quelques coups, hein. Il a 22 conditions, mais arrivons pas, quoi. C'est nada, hein. C'est pas grand-chose. Il est encore à 63%. Ok. Grizzly, viens ici. Je crois que je vais utiliser Bud
Oh là, t'es pas bien, toi. T'es pas bien du tout, ma belle. Fous le camp. Fous le camp. Ah ouais, risque de démence, je m'en doute. Hein. T'as des vêtements. T'as quoi comme problème de vêtements, toi? Ton casque simple en uranium, hein, ok? Prends-toi un autre. Ouais. Ce sont tous des trucs de mort que j'ai, moi. Écoute, va faire ce que tu veux, va te déshabiller. Bud, tu sers à rien. Bud, assignation. Tu te remets en ouvrier et tu vas faire ce que tu veux, mais tu restes dans Intramuros. Voilà, c'est parfait, ça me va. Ça me va. Ça me va. Pas évident, hein? Mais on va. Il y en a déjà un qui est bien parti. Là. Donc, on veut que la porte ici soit maintenue ouverte. Mon ami, allô? Mon ami vache, mon ami libellule, libellule mon ami, tu viens te prendre ça. Voilà, tu viens te mettre ici. Nous avons maintenant un autre pistolet qui est bon. Allô, tu as quoi? Tu as un bon. Tu viens ici. Vache, tu as un chef-d'œuvre, normalement. Tu viens ici. D'équerre, tu as un normal. Tu me prends ça. Bien. Nous prenons Monsieur D'équerre. Vous vous positionnez ici. Et on va regarder ce que ça... Il arrive dedans. Parfait. Libellule, tu viens ici et tu tapes dessus. Toi, tu viens ici. Ok. Mais on voit adapter de temps en temps qu'il saute, c'est parce qu'il reçoit des coups de, d'IEM. Et malgré tout, au bout d'un moment, plus il reçoit d'IEM, moins il fait d'effet, IEM. Okay. Visez-moi ça, on l'a bouffé 37 conditions. Regardez-moi cette masse, quoi. Et il n'est pas mort, encore. Il n'a encore qu'à 14%. Quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Jean vient ici. Ok, Jean. Non, pas Jean. Libellule. Non, tu peux pas, Libellule. Libellule, tu viens ici. Voilà, Jean, t'enlèves ça et tu me vires ce mec. Transporte. Parfait, merci. Alors, on va. Ça, c'est bon. La porte en ardoise. Tout le monde est bien. Toi, tu viens ici. Voilà. On va, lui, on va, ça ne devrait faire qu'une bouchée de cette petite saloperie-là. Toi, tu viens là. Ah, on a un pépin. Tu fais quoi? Tu attaques le lit.
Mais mes copains devraient te tirer dessus alors, normalement. Ne peut pas toucher la cible. Bon, je dis, tu viens ici. Ah, les autres peuvent y aller, ça va donc. Ok, libellule descend. Ah. Toi, tu attaques à l'eau. Alors, tu viens ici. Dame. Anarchiste. Tu fonces dessus. Toi, tu attaques qui? Vache. Vache. Ça, c'est pas chez nous. C'est de l'autre côté. Ok, un grizzly. Mais on va attaquer ce truc. La vache, tu attaques piqué. Ok, grizzly, c'est bon. Tu peux sortir de là. Je dis, tu m'embarques le piquier. Bon. Ben jusque-là, c'est très bien. Je dirais. À but, ça va, on est... On mange de la pâte nutritive, mais on va changer après, hein. Ouais, on va changer après. Parfait, merci Madame Grizzly, vous êtes bien aimable. Voulez-vous revenir à votre place, Monsieur Anarchiste? Vous allez venir ici. Toi, ma belle, t'as besoin de repos. Tu vas te mettre... Libellule, tu viens là. Est-ce qu'on a le temps d'aller bouffer? Vous croyez? Je pourrais le faire tourner entre les deux. Hein. Comme ça, j'ai le temps d'aller bouffer, mais bon, on va pas. Non, c'est bon. Grizzly vient ici. Bien, parfait. Vache, tu viendras ici. Allô? Tu viens ici. Il me faut un caillou. Le caillou, il est ici. Anarchiste, va me chercher le petit caillou. Ok, merci mon ami. Et reviens ici. Ok. Donc on attend le petit dernier. On va demander à... Ah. C'est ouvert, hein, monsieur par ici. Vous pouvez venir par ici. Donc libellule, je suppose que tu vas... devoir venir ici. Bon, ben les autres, allez bouffer. Allez bouffer. Sauf Libellule qui va rester avec les copains. Reste un petit peu ici, ma belle. Parce qu'on va avoir besoin de toi, à mon avis. Non, on n'a pas besoin de toi. Tu peux retourner aussi. Chauve, t'as assez dormi, je pense. Parfait. Tes relaxations sociales vont te servir à... venir dans le coin, comme ici par exemple. Donc on ne s'est pas trop énervé, tout va bien. Donc on va aller regarder l'unité AT à 42 degrés. C'est quoi ta bio? Dépressif et asexué. Ben dis donc, qu'est-ce que vous foutez? Pas de travaux ménagers, pas de travaux intellectuels, bah dis donc, t'as pas grand chose pour toi. Asexué, c'est n'a aucune attirance sexuelle. Bon, donc t'es absolument pas rentable. Et nous avons reçu ici, je sais pas où, mais on a dû recevoir quelque part. Tiens, ça il va falloir que je l'autorise.
Normalement, on a reçu notre cadeau. Qu'il est tombé, notre cadeau. Il est ici, notre cadeau. Là et là. Et là. Mais je ne crois pas que lui, ça l'intéresse. Non, il n'a rien à foutre, il va s'ennuyer, puisque je n'ai rien, aucune construction, je pense. Il ne reste plus rien, en tout cas, comme construction. Donc, Jean, on est reparti chez toi, pendant que les autres sont partis manger. Toi, tu vas faire un peu tourner en bourrique notre cher petit bidule comme ça. Voilà, quand mes gens auront mangé, ce qui devrait bientôt être le cas, toi, t'es bon, t'as mangé, tu as mangé, t'as pas mangé, tu dors, toi. Ok. Dan, t'as mangé, t'as pas mangé. Tu as 40%, c'est pour ça. Tu as un petit jeu au fer à chouette. Bon, tu n'as pas mangé, tu récoltes le plan de riz. Ah ouais. D'accord. Ok. Faites. Oh, on peut faire ça aussi. Ça, c'est important, ma petite vache. Vas-y, ma chérie. Jean, veux-tu venir ici, s'il te plaît? Et cette porte-ci se referme. Merci, mon ami. Alors, une partie de vaisseau spatial s'est écrasée non loin de là. Ça, c'est excellent. C'est pas énorme, mais c'est bien. C'est 8 composants et j'en ai justement beaucoup besoin. Donc tout le monde me semble en pleine forme. Il est temps, les petits gars, de... Vache, tu me fais quoi? Va manger, ok. Dan, logiquement. Et Grizzly, tu dormis. Grizzly, tu te lèves. Tu vas manger. Ok. Allez, on tourne les gars. Dan, tu me fais quoi?
et puis on y va, hein. Bien long pour toi de faire ça, mon petit. Oh, j'ai pris un petit coup. Donc là, la porte reste ouverte. Jean, tu viens ici. Tu fais autre chose. Tu vas faire autre chose. Tu vas te promener. Voilà. Allez, on est parti. Gris dit, ma belle, tu te balades, viens ici. Dame, tu te reposes. Anarchiste de relaxation. Voilà, 100% de jeu ici. Allô. Oh, Potterin, comment t'as réussi à te faire avoir comme ça? Mes cœurs. Viens ici, mon petit maker. Plutôt là. Vache. On n'avait qu'à vous reposer plus vite, les filles. Hein, c'est pas bien ce que vous me faites là. Bonne. Le cœur. Les bellules. Allô. Maker. Vache. Bad. Ouais, tout le monde est parti. Chauve. Mais ici. Bon, on va essayer de brutaliser cette bestiole. Il manque quelqu'un. Ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Machin là. Ah bon. Tu es là, ma belle. Alors, que fais-tu? Attaque bassin hydroponique. Tu rentres dedans. Ok, tu passes, c'est bon. Viens là, et là. Non, il n'est pas passé, il n'a pas avancé. Activité, toi. Attaque bud. Merde. Ah! Grizzly. Ok. Les balles sont passées à côté. Vache, tu peux attaquer. 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 Toi. Ah, Mike, tu vas te prendre ça. Tu reviens là. Ok. Toi. Il n'y a pas d'autre place, quoi, de toute façon. Hein. Bon, il ne nous reste pas des tonnes. Maintenant, on peut aussi ouvrir ici. Bam. Viens ici. Bon, pas besoin, c'est fini. On rentre. Excusez-moi.
Voilà. Je ne suis pas mécontent de cette histoire. Mais ça n'a pas marché comme je voulais. Ce n'est pas comme ça que ça aurait dû fonctionner. Pourquoi est-ce que le centipède s'arrête là? Il n'y a que le gravat qui lui va vraiment bien. Le problème, c'est que le gravat, il saute. Normalement, il ne devrait pas s'arrêter sur le lit. Le lit n'est pas passable. Enfin, il n'est pas standable. Il va falloir que j'essaye avec autre chose. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette petite... Je vous remercie d'avoir suivi cette petite bataille qui s'est quand même assez bien passée, je dois dire. Et je vous dis à plus. Bye bye.